Les 9e rencontres du contrôle de gestion est en compagnie de François Bert. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes dirigeant fondateur d'Edelweiss RH et surtout fondateur et intervenant de l'école du discernement. Vous avez même publié cet ouvrage, le discernement. Qu'est-ce que c'est, François, le discernement que vous proposez notamment aux dirigeants? Oui, le discernement pour moi, c'est l'antichambre de la décision. Ce que je propose aux dirigeants, c'est précisément de savoir travailler intérieurement l'écoute contextuelle qui permet des décisions justes. Donc le discernement, je le ramène à quelque chose de très naturel, qui hélas peut pratiquer. C'est la capacité à se mettre en retrait, à laisser décanter les événements et à leur donner leur portée juste. Ouais. Et justement, vous avez commencé votre conférence en observant une minute de silence. Oui. Ce silence qui nous manque parfois cruellement pour prendre les bonnes décisions. Oui, parce qu'on a aujourd'hui des dirigeants qui courent derrière des missions, derrière leurs mails, etc. et qui quelque part subissent. Et le silence a deux mérites. Un, ça ancre la posture, et deux, ça laisse décanter, ça trie tout ce qui doit être mis de côté, et ça laisse demeurer ce qui doit retenir l'attention. Ouais, vous nous avez aussi pas mal parlé de politique, avec des fois un écart entre un poste et une personnalité. Alors, on ne citera pas de personnalité politique, mais on le voit aussi en entreprise, cet écart. Comment on réconcilie cet écart? Oui, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on croit souvent qu'il suffit d'avoir la compétence acquise pour pouvoir faire un métier, alors que la nature, la personnalité parle à un moment donné. Et donc, la manière de compenser cet écart, il y en a deux. Hein. C'est bien sûr déjà au-delà de savoir se connaître, pour savoir arrêter de se raconter des histoires sur qui on est, c'est l'équipe. Il y a un vrai levier qui est l'équipe complémentaire. Et puis après, il y a la formation, bien sûr. Et tout mon enjeu, moi, c'est de donner un maximum d'astuces pour faire le métier de décision, qui est le métier premier attendu du chef et qui est pourtant souvent négligé dans les formations. Oui, ce chef, c'est vrai qu'on vous avait demandé à l'Assemblée quelles étaient les qualités d'un chef. On a entendu leadership, décision, pugnacité, etc. Mais vous avez dit que c'est finalement des choses qu'on projette sur un chef ou qu'on reproche de ne pas avoir à son chef. Oui, parce qu'en fait, c'est marrant de voir comment, effectivement, on cristallise sur cette question tout un ensemble d'enjeux. Soit on reste têtu sur le fait de dire un chef, c'est forcément quelqu'un qui est comme moi et on va projeter sa personnalité. Soit on va pas arrêter de voir comme qualité du chef ce qui nous manque par rapport à notre chef, justement. Mais en fait, le vrai juge de paix, c'est la mission. Donc c'est toute une notion qu'on a très vite effleurée. La mission, c'est quelque chose qui transcende, entre guillemets, les compétences et qui est contextuel. Alors, je définis la mission comme l'actualisation du débouché collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas un plan figé ou ce n'est pas une joyeuse équipe qui vit ensemble. Oui. Il y a bien quelque chose qui convoque en permanence sur des objectifs successifs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de calibrer la mission de chacun sur justement cette mission supérieure qui rassemble le groupe. Oui. Vous dites aussi, il y a des choses qui s'imposent à nous. Des fois, ça prend du temps et puis ça devient évident. Oui, c'est-à-dire que, vous voyez, dans un monde très médiatique, on va avoir peur sans cesse de ne pas avoir la réponse à tout. Et donc, on va préférer cette réponse précipitée qui fait bien pour le souci un peu du bon élève qui a dit « ça y est, j'ai répondu à tout ouais. ». Là où il s'agit précisément de faire deux choses, de trier ce qu'on évoquait avant, d'où le rapport au silence. J'ajouterais d'ailleurs d'où le rapport aussi souvent à une fréquente solitude pour pouvoir justement prendre le temps de décanter les choses. Mais quelque chose de juste, c'est ça qui est rassurant, va s'imposer à vous. On a tous connu cette expérience de vivre quelque chose qui nous tourmentait. Et on se réveille un beau matin, on se dit « bon sang, mais c'est bien sûr ». Sans rien faire, ça s'est imposé à nous. Et c'est vraiment ce travail-là qu'il faut laisser maturer en permanence dans notre esprit. Parce qu'en fait, on sera bien plus clairvoyant à laisser les choses s'imposer qu'à vouloir courir derrière les événements. Il y a un sous-titre dans votre bouquin, « Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider ». Oui. L'intelligence, ce n'est pas forcément la décision. Ce qui est très intéressant, j'ai deux réponses à ça. C'est-à-dire, l'intelligence, il y a plein de modalités d'intelligence, mais ce qu'on voit aussi, hein, il y a l'intelligence cérébrale qui est plutôt une intelligence spéculative de savoir, de connaissance. Il y a l'intelligence relationnelle qui est celle du lien et il y a l'intelligence contextuelle. Donc déjà, il y a les trois. Et si je vais un peu plus loin, intelligence et intelligere, lier les choses entre elles. Mais les gens qui ne font que lier les idées entre elles, ça s'appelle de la synthèse. Il y a des gens qui ne font que lier les gens entre eux, ça s'appelle le consensus. Quand il s'agit de décision, l'intelligence, c'est de lier les idées, les personnes et les contextes. Donc, entrer dans la relativité des choses. Et c'est bien, et cette relativité-là, elle ne se projette pas, elle s'écoute. J'ai une dernière question, c'est est-ce qu'on peut apprendre le discernement? Bien sûr, et c'est pour ça que j'ai créé l'école du discernement, c'est-à-dire, et j'aurai toujours un triptyque là-dessus, un savoir qui on est. Encore une fois, on a des biais de personnalité. Donc c'est pour ça que la décision, elle est plus ou moins influencée en fonction de sa personnalité. Bien se connaître. Bien se connaître. Deux, s'entourer. Donc un des premiers leviers quand même, ça reste d'avoir des adjoints qui nous compensent. Et que si on n'est pas naturellement décideur, avoir un adjoint décideur, ça aide beaucoup. Surtout un pan de la décision. Et enfin, bien sûr, on peut se former. C'est là que j'investis
ce qui est pour moi, et là c'est un parent pauvre de la formation, qui sont les mécanismes intérieurs de la décision. On croit aujourd'hui que la bonne information suffit à décider. On a vu en politique comment c'était largement insuffisant, malgré la bonne information. Et donc l'idée, c'est donner plein de critères, c'est tout l'enjeu de ma démarche et de formation et d'écriture, donner plein de critères intérieurs qui permettent de sentir qu'on décide bien. Eh bien, on va se précipiter sur votre livre « Le discernement », François Bert. Merci, je rappelle que vous êtes dirigeant fondateur d'Edelweiss RH et donc fondateur intervenant de l'école du discernement. À bientôt sur les rencontres du contrôle de gestion. Merci beaucoup.